Voici la sixième partie de notre présentation de l'application Tableur. On y retrouve des valeurs déjà présentes dans les colonnes A, B et C auxquelles on a donné des couleurs particulières. Dans Edit Format, on a coché la case Color Link pour synchroniser les couleurs entre le tableau et le graphique. Dans le menu Graph, on vérifie que les séries statistiques seront lues colonne par colonne. On sait comment représenter ces données sous la forme d'un graphe en mode courbe groupée ou courbe empilée ou encore courbe empilée à 100%. On va maintenant étudier les autres modes de représentation graphique. On commence par sélectionner les données qu'on veut représenter graphiquement. Ici, on sélectionne une plage rectangulaire de A1 à C5. Il y aura donc trois séries statistiques en colonne, constituées chacune de cinq valeurs. Dans le menu « Graph », on sélectionne le mode « Barre groupée ». Un graphique apparaît sous la forme de barres verticales groupées trois par trois, car il y a trois séries statistiques, et il y a cinq groupes successifs, car chaque série est constituée de cinq valeurs. Dans chaque groupe, les couleurs des barres sont synchronisées avec les couleurs des colonnes qu'elles représentent. On peut sélectionner une barre avec le stylet. Le FXCP400 affiche alors la cellule et la valeur qui lui correspond, ici la cellule A1 et la valeur 5. Le quatrième groupe de barres verticales, par exemple, correspond aux valeurs de rang 4, c'est-à-dire ici les valeurs 8 dans la cellule A4, 30 dans la cellule B4 et 24 dans la cellule C4. Avec la même sélection, on choisit maintenant le mode de tracé barre empilé. On voit que chacun des groupes précédents de trois barres, c'est-à-dire une pour chaque série statistique, est remplacé par une unique barre verticale. Il y a donc maintenant autant de barres que de valeurs, c'est-à-dire sur notre exemple, 5 valeurs différentes. Sur chaque barre, les paliers représentent des effectifs cumulés. Par exemple, c'est sur la quatrième barre, qui correspond aux valeurs de rang 4, que la valeur cumulée est maximum ici 62, c'est-à-dire 8 plus 30 plus 24. Avec le stylet, on lit les valeurs cumulées successives. Ici, 8 qui correspond à A4, 38 qui correspond au cumul A4 plus B4, et 62 qui correspond au cumul A4 plus B4 plus C4. Graphiquement, on dispose également... Du mode barre empilé à 100%. Dans ce cas, il y a toujours une barre verticale pour chaque rang de valeur. Et pour chacune des valeurs d'un rang fixé, les paliers représentent des effectifs cumulés exprimés en pourcentage. Par exemple, dans la deuxième colonne, qui correspond ici aux valeurs de rang 2, on voit que la somme A2 plus B2 représente 70,18% du total A2 plus B2 plus C2. On va passer rapidement sur les trois modes baptisés histogrammes, alors qu'une meilleure traduction serait sans doute barre horizontale. On trouve en particulier un mode groupé, un mode histogramme empilé et un mode histogramme empilé 100%. On note que les différents modes de représentation sous forme de barres horizontales ou verticales sont accessibles au moyen de six icônes parfaitement identifiées. La représentation graphique, sous forme de barres verticales ou horizontales, est un choix esthétique qui ne doit pas être confondu avec celui qui consiste, dans la fenêtre tableur, à interpréter les séries statistiques en colonnes ou en lignes. Ici, par exemple, on voit bien l'impact des cinq valeurs de la colonne A en rouge, des cinq valeurs de la colonne B noir et des cinq valeurs de la colonne C en bleu. En conservant le même mode graphique, ici barre horizontale empilée 100% et la même sélection ici de A1 à C5, on peut choisir dans le menu type d'interpréter les séries statistiques en rangées horizontales. Et s'il y a maintenant 3 barres horizontales de cinq segments successifs, c'est qu'il y a cinq séries statistiques de trois valeurs chacune. Mais revenons au mode par défaut, c'est-à-dire une interprétation en colonne des séries statistiques dans la feuille de calcul. Dans le cas d'un grand nombre de valeurs, la représentation sous forme de barres verticales ou horizontales peut devenir difficilement lisible, Voici par exemple ce qu'on obtient en sélectionnant la totalité de la feuille de calcul, c'est-à-dire trois colonnes de 14 valeurs chacune, et en choisissant le mode barre groupée. Dans ce cas, il ne faut pas oublier qu'on peut maximiser la fenêtre graphique, et si ça ne suffit pas, on peut effectuer un zoom-boîte. On peut ensuite choisir de se déplacer en utilisant le mode M'imposer et des déplacements du stylet à l'écran. Si on veut à nouveau sélectionner des données sur les graphiques, il faut revenir au mode Choix ou encore utiliser cette icône. Par exemple, on lit ici les trois valeurs de rang 3. Extrait de la première colonne, cellule A3 contenu 22, de la deuxième colonne, cellule B3 contenu 18, et de la troisième colonne, cellule C3 contenu 12. On revient ensuite à l'affichage par défaut, c'est-à-dire zoom plein écran, ou en utilisant cette icône. Mais revenons à une sélection de taille plus modeste, c'est-à-dire de A1 à C5, et toujours dans le même mode graphique. On sait, pour l'avoir vu avec le mode de tracé courbe, qu'il y a toujours un lien dynamique entre la plage sélectionnée dans la feuille de calcul et sa représentation dans la fenêtre graphique. On va illustrer cette interactivité en modifiant par exemple la première des valeurs de rang 2, ici la valeur 28 dans la cellule A2. Si on modifie cette valeur dans la fenêtre de calcul en la remplaçant par exemple par la valeur 3, la barre correspondante est immédiatement modifiée pour traduire cette diminution. Inversement, si on sélectionne cette barre et qu'on en tire le sommet verticalement avec le stylet, le FXCP400 montre l'évolution de cette valeur. Au moment où on relâche le stylet, la valeur obtenue, ici 28, est placée dans la cellule correspondante, ici A2. Nous terminons cette présentation par un autre exemple d'interactivité qui montre qu'on peut copier vers la feuille de calcul et depuis le graphique les données relatives à la série sélectionnée. Pour cela, nous allons sélectionner à nouveau la zone A1-C5 et on se place par exemple en mode barre empilée 100%. Dans la feuille de calcul, on se place au début d'une zone vide. Dans le graphique, on sélectionne par exemple une valeur de la première série statistique. Donc ici, c'est la couleur rouge qui correspond à la colonne A. On tire cette sélection vers la feuille de calcul. On obtient ici les pourcentages des valeurs de la série statistique A qui correspondent au cumul de valeurs sur une ligne donnée. Nous annulons ici cette dernière opération. Voici qui termine cette sixième partie de notre étude de l'application tableur. Nous revenons à l'écran d'accueil du FX CP400.